Abbiamo incominciato con un brano musicale. Nous avons commencé par un morceau musical joué par Moreno Andreatta. De quoi allons-nous parler ce soir? Nous parlerons de musique, mais aussi beaucoup de maths, de mathématiques. Les mathématiques et la musique ont toujours été reliées entre elles depuis Pythagore, Galilée, Kepler, Mersenne, Euler. Nous le connaissons comme Euler, Hamilton et ainsi de suite. Bien entendu, nous n'avons jamais pensé au parcours opposé, c'est-à-dire partir de la musique pour arriver aux mathématiques. C'est la tentative que nous allons essayer de faire ce soir. À côté de moi, Alberto Conte, professeur émérite de l'Université de Turin, prorecteur, plus de 130 publications scientifiques. Il a dirigé l'Union mathématique italienne depuis 1984 à l'an 2000. Il a été, il y a encore quelques mois, président de l'Académie des sciences. Il a eu une activité politique culturelle très intense, entre autres. Il a été aussi membre du conseil d'administration du Teatro Regio pendant plusieurs années, avec des initiatives musicales extraordinaires qu'il a amenées à Turin. Moreno Andreatta est un mathématicien, il est un musicien, professeur auprès de l'Université Pierre et Marie Curie de Paris, où il enseigne les modèles mathématiques dans la musique contemporaine, et à l'Université de Bordeaux, où il intervient dans le cours de licence sur la chanson et l'expression française. La cosa che mi interessa dire di lui stasera è che il direttore. Et puis, ce qui m'intéresse de dire sur lui, c'est qu'il est directeur de recherche au CNRS, un peu comme le CNR italien, et à l'IRCAM. L'IRCAM est un institut qui se trouve à côté du Centre Pompidou, dans un bâtiment dessiné par Renzo Piano. C'est l'université des universités musicales, c'est la principale dans le monde. Elle a été fondée par Pierre Boulez en 1977 et dans ce centre prestigieux, le plus important au monde pour l'étude de la musique, de l'acoustique et de leurs aspects mathématiques, travaille Moreno Andreatta. Nous l'avons entendu au piano. J'ai su en le rencontrant, nous avons eu un échange de mails très sympathique, j'ai su qu'il a commencé comme animateur sur des bateaux pour touristes sur la Seine, les bateaux parisiens. Il me disait qu'il n'existe plus maintenant. Donc, comment a-t-il commencé à partir du piano bar jusqu'à arriver à l'Olympe de la musicologie? Le piano bar a été une manière de garder, de me financer aux études après la licence en mathématiques à Pavie et le diplôme de piano à Novara. Je suis partie à Paris pour commencer une nouvelle carrière comme musicologue, mathématicien au service de la musique. J'ai grandi à 30 et lorsque on te donne la possibilité en France de faire un doctorat, il t'ouvre la porte, mais il n'y a pas de bourse d'études qui te permette ensuite de gagner ta vie. Et donc, j'ai trouvé comme emploi le piano bar sur les bateaux parisiens qui existent encore aujourd'hui. Mais ce bateau particulier où une fois par semaine je faisais le piano bar, c'est le bateau le Bretagne, le bateau officiel des autorités, c'est le plus important. Un très beau bateau à notre disposition et là je me suis vraiment amusée non seulement pendant les années du doctorat mais ensuite. Une fois rentrée dans le CNRS, j'ai continué. J'ai fait ma carrière pendant une dizaine d'années au piano bar. J'ai pu entre autres proposer plusieurs versions du concert de Cologne que vous venez d'écouter de Kate Jarrett. Quand on est pianiste de piano bar, il faut s'adapter à toutes les situations, le concert, on peut l'étirer, le restreindre, la version condensée en 4-5 minutes, on peut la développer sur un temps beaucoup plus long. Et il y avait de l'improvisation. Oui, oui, dans celle qu'on a écoutée, c'est l'improvisation sur l'improvisation. On va revenir là-dessus.
Professeur Conte, qu'est-ce que c'est pour vous la musique? Sicuramente una passione, e lo devo molto anche a mio cugino Paolo, che mi ha insegnato ad amare il jazz. Certainement, c'est une passion. Je le dois beaucoup à mon cousin Paolo, qui m'a appris à aimer le jazz, et à ma grand-mère Marie, qui m'a appris à aimer l'opéra. Et d'ici, tout ce que tu as dit à propos de ma carrière. En ayant fait pendant 50 ans le mathématicien, professeur de géométrie supérieure en particulier, je suis intéressée à tout ce qui lie les mathématiques à la musique. Il y a beaucoup de choses, comme on entendra dans quelques minutes de la voix de Moreno Andreatta, beaucoup de choses qui sont historiquement très importantes à partir de Pythagore. La sedia vuota. Proviamo a riempirla. Il maestro Paolo Conte. Il maestro Paolo Conte. Il y a une chaise vide ici. Essayons de la remplir. Maestro Paolo Conte. Maestro o avvocato, che cosa preferisce? Maestro o maître, qu'est-ce que vous préférez? Avvocato lo sono stato tanto tempo fa. Ma si rimane avvocati. Ma j'ai été avocat en fait par le passé. Oui, je suis toujours avocat, mais je m'en suis allé, j'ai quitté le métier. Parfois, dans des nuits d'insomnie, j'invente des affaires et j'essaie d'appliquer quelques règles. Vous imaginez donc des plaidoyers? Oui, plaidoyer. J'étais avocat en droit civil. Mais de toute façon, j'ai quelques nostalgies, surtout techniques, du métier d'avocat. Mais ça s'est passé, hein, c'est fini. C'est la musique qui l'a emporté. Alors, derrière les rideaux, vous l'avez entendu, on parlera aujourd'hui ici de mathématiques. Comment étiez-vous? Non, rien. J'étais nulle. Même dans les trucs les plus élémentaires, je n'y arrivais pas. Mais c'était une question de caractère, de patience. Je n'ai pas de patience, je ne suis pas patient. Mais je suis énormément intéressée à ce que vous allez nous raconter au sujet des rapports entre la musique et les mathématiques. Que vous attendez-vous? Vous pensez pouvoir apprendre quelque chose comme musicien aussi? Ou de découvrir tout simplement des choses qui sont en dessous de la musique, que vous connaissiez très bien, que vous appliquiez sans les connaître? C'est possible. Je suis intéressée à écouter, à apprendre, bien entendu. Quand on écoute des discussions intéressantes, on apprend toujours. Mais j'aimerais laisser parler Moreno Andreatta et vous, parce que c'est vous qui êtes les protagonistes. Je ferai l'avocat du diable. J'aurai quelques questions certainement à vous poser. Vous êtes le seul d'ailleurs qui peut interrompre les conférenciers. Ils parleront de vous. Vous pourrez le faire. Je voudrais demander d'abord au public, est-ce qu'il y a plus de mathématiciens ou de musiciens dans le public? Alors, les mathématiciens sont priés de lever la main. Et il y en a beaucoup, hein. il y en a pas mal. Musiciens aussi, les fans de Paolo Conte, tous. J'aimerais vous signaler le dernier CD de Paolo Conte, un CD presque entièrement instrumental. Mais il y a un morceau chanté par le chœur féminin, vraiment très agréable. Voilà, j'ai amené quelques disques avec moi de Paolo Conte. Je vous assure que je les ai tous. Je me souviens de Paolo Conte dans un très beau concert au théâtre Erba, un tout petit théâtre de Turin, en 1980-81, je crois. Et je me souviens de cette interprétation extraordinaire de Bartali. Il a été énormément applaudi. Et puis, vous nous avez abandonnés, vous m'avez abandonné. Vous n'êtes plus venu. Non, disons que j'étais obligée de vous écouter dans les CD. Mais on est resté en contact, finalement. C'est sûr.
jusqu'à la dernière minute. Lettre d'amour écrite à la machine, un texte extraordinaire, un livre presque. Et il a été écrit de manière extraordinaire. Beaucoup de chansons de Paolo Conte, nous les connaissons à travers des versions plus légères aussi, plus accessibles, mais moins juteuses par la voix d'autres chanteurs. Nous avons tous énormément apprécié Azzurro de la voix de Celentano, mais écouter de Paolo Conte, c'est autre chose. Je donnerai maintenant la parole à Alberto Conte, le mathématicien et musicologue, pour qu'il introduise le discours de ce soir. Je vais vous prendre quelques minutes seulement. Ce soir, en plus de ce que le maestro va dire, et ce que vous écouterez aussi de la voix de Moreno Andreatta, il y a quelque chose que j'aime dire, c'est-à-dire mathématiques, musique, c'est une histoire d'amour qui dure depuis 3000 années et qui continue. Les deux ont été inventés par une seule personne, Pythagore. Et pour les mathématiques, on sait bien ce qu'il a fait. Pour la musique, on ne sait pas très bien que Pythagore, un jour, en passant à côté de la boutique d'un forgeron, s'aperçut que les marteaux qu'ils utilisaient dans la forge et qui battaient sur l'enclume produisaient des sons différents selon la dimension et le poids de ces mêmes marteaux. Une fois rentré chez lui, il a mis une barre sur les côtés d'une chambre, il a pendu des poids, il fit des calculs et il se rendit compte que les rapports harmoniques se produisaient quand les poids étaient en rapport numérique harmonieux entre eux. Et donc, je crois que tout, à ce moment-là, a été expliqué par des rapports numériques, y compris que la musique répondait à sa théorie, il en fut enthousiaste, et c'est à ce moment-là qui naquit ce rapport intime d'amour entre les mathématiques et la musique, à tel point qu'au Moyen-Âge, jusqu'au 1500-1600, la musique faisait partie du quadrivium avec le trivium, l'ensemble des disciplines étudiées à l'université. Le quadrivium était proposé d'arithmétique, géométrie, astronomie et musique. C'est historiquement connu et on le sait bien. Ensuite, la musique, les mathématiques ont poursuivi leur chemin. Beaucoup de mathématiciens se posèrent des problèmes. Par exemple, il suffit de penser aux combinations des notes. Père Mersenne commença lui premier à faire des raisonnements combinatoires. Commença à penser des chemins sur le graphe, à la musique, aux tonalités qui pouvaient être reliées entre elles. Ce fut ainsi qu'on poursuivit comme ça jusqu'au 1900 avec la dodécaphonie, qui est aussi une application des mathématiques à la musique, avec les 12 notes, les percutations des notes, etc. Eh bien, tout cela a été très intéressant et très connu même. Ce que j'aimerais souligner, c'est quelque chose que Andreatta aime beaucoup, c'est que ce ne sont pas les mathématiques qui ont donné des explications de la musique, c'est la musique même qui très souvent a posé des problèmes que les mathématiciens ont réglés après beaucoup d'années et à grande peine. Par exemple, le problème du tempérament, de comment diviser en 12 l'octave, etc. Il y a eu beaucoup d'études. Ce phénomène n'est pas isolé. Pensez par exemple à la peinture et à la perspective. La perspective naît à Florence de manière empirique. Il y a des grands peintres, le Masaccio, Pierre de la Francesca, qui commencent à comprendre qu'il y a des règles, des lois. Léon Baptiste Alberti essaye de les formaliser. Mais c'est une technique encore, une manière de faire des tableaux de très grande qualité. Ce n'est que 200 ans après qu'on découvre la géométrie projective, et c'est Blaise Pascal qui en est l'auteur, un grand mathématicien, et à ce moment-là, on explique ce que le problème posé par la peinture, comment ce problème se traduit et s'explique par les mathématiques.
L'Alhambra, vous vous souvenez des mosaïques merveilleuses créées par les artisans d'Andalousie en 1400-1500. Ils ignoraient les groupes de symétrie plane, des partitions, etc. Mais ces artisans, sans rien savoir de ces mathématiques, ont pu produire des exemples de tous les 17 soleil, 17 plans finis dont la détermination a été considérée par Polya, a été reconnue par Polya seulement en 1924. Ce sont là des phénomènes très importants qui démontrent comment les arts peuvent demander, interpeller les mathématiques, la science, pour des problèmes qu'ils individuent, qu'ils identifient, mais qu'ils ne réussissent pas à expliquer. En même temps, les mathématiques aussi s'enrichissent en prenant ces exemples. Aujourd'hui, il y a même quelque chose de plus, c'est l'ordinateur. Aujourd'hui, il est possible de faire des analyses. Père Mersenne faisait des calculs combinatoires à la main sur un bout de papier. Aujourd'hui, les PC, les ordinateurs nous aident à faire tous les calculs qu'on veut. L'ordinateur aujourd'hui permet donc de faire ces calculs beaucoup plus vite, de comprendre quelque chose en plus. Les images. L'ordinateur ne fait pas que des calculs, il produit aussi des images, des dessins. Paolo est un grand peintre, non seulement musicien. Pour faire des dessins, il faut du temps. Donc, de ce point de vue, ce rapport d'amour entre les mathématiques et la musique qui dure depuis 3000 ans, c'est encore consolidé, c'est ultérieurement consolidé. Aujourd'hui, ces liens sont plus forts parce qu'il y a aujourd'hui un outil très puissant qui nous permet de mieux comprendre quels sont les liens entre ces deux disciplines. Il est inutile que je continue à bavarder. Le moment est venu de donner la parole à Moreno. È un'ottima introduzione perché parleremo appunto di come la musica possa ispirare il lavoro dei matematici e possa toccare dei problemi. Excellente introduction. Nous allons parler, en effet, de comment la musique peut inspirer le travail des mathématiciens. Vous êtes habitué à cette image. Elle est devenue un peu la fiche de cet événement. Ce sont là des espaces géométriques au service de la musique, que ce soit la spirale, la bouée, le cercle, le réticule hexagonal, le ruban de Möbius avec la fourmi qui parcourt le ruban, son bord. Eh bien, tous ces espaces ont des applications musicales. Ce sont des espaces qui nous permettent de représenter la musique. Il ne sera pas possible de rentrer dans les détails de tous ces espaces. Nous allons nous concentrer sur deux exemples. Dans la séance questions-réponses, je pourrais vous montrer, comme disait Alberto Conte, comment les musiciens ont anticipé ces structures. Bach a anticipé le ruban de Möbius. C'est un outil que les mathématiciens auraient découvert beaucoup plus tard. Et donc, il s'agit de deux représentations géométriques, le cercle à droite et le réticule hexagonal. Ces deux dessins ont des origines auprès des théoriciens de la musique. En haut à droite, il s'agit du cercle de Mersenne, du père Mersenne, qui se pose des problèmes combinatoires. Et à gauche, en bas, le speculum musicum. C'est une représentation graphique des notes musicales introduite par Euler, qui a inventé la théorie des graphes. Mersenne, que fait-il? Il se pose des problèmes. Il veut calculer toutes les mélodies possibles. Il introduit donc cette représentation circulaire, qui est notre espace privilégié. Dès qu'on a un piano, on le réduit à une octave. On essaye de mettre toutes les notes, de les compacter à l'intérieur d'une octave. Un calcul que Mersenne fait sur le nombre de mélodies possibles, et celui-ci, il est fait à la main. Il n'y avait pas d'ordinateur à l'époque. Et donc, par exemple,
si on prend quatre notes, et voilà toutes les 24 possibilités, 24 façons de mettre une note l'une après l'autre. 4 fois 3 fois 2, 24. Donc, au total, il s'agit de 24 possibilités. On les voit d'ailleurs ici. Je ne suis pas très habile dans la lecture du trigramme ici. C'est moins facile, mais c'est ça dans tous les cas. Jusqu'à cela, on a 24 possibilités. Ce qui est intéressant, c'est comme mathématicien, on peut calculer toutes les mélodies possibles. On arrive jusqu'aux 22 notes, avec ou sans répétition. Cela anticipe des résultats que le calcul combinatoire va systématiser 50 ans après. À travers un problème musical, on introduit des systèmes que les mathématiciens auraient développés ensuite. C'est un exemple intéressant de la manière dont cette technique combinatoire devient un de vos domaines des mathématiques en posant un problème musical. Notre espace est donc un cercle, une sorte d'horloge, l'horloge des heures, avec 12 notes, 12 numéros de 0, do dièse, ré bémol, ré dièse, etc., ré bémol, je fais tout le tour, avec l'identification do. C'est-à-dire, j'ai une réduction d'une droite infinie dans un segment avec deux extrêmes identifiables. Nous les identifions et nous obtenons donc un cercle. À partir de ce cercle, nous pouvons, par exemple, représenter toutes les gammes musicales comme des polygones. Nous avons les touches blanches ici du piano avec une symétrie extraordinaire, un polygone de sept côtés. Quand on dit le do est au centre du piano, eh bien, en réalité, il faudrait dire le ré est au centre du piano. Le vrai axe de symétrie est l'axe qui passe par le ré. Tout se dispose de manière symétrique par rapport au ré. La touche blanche, noire, ainsi de suite. Blanc. Donc, tout est symétrique par rapport au ré. Les théoriciens de 1800, de Ruth, l'avaient vu, l'avaient compris. C'est l'idée que j'aimerais faire passer aujourd'hui. Le premier espace est donc cet espace circulaire, où il est possible de représenter de manière simple des accords, des gammes musicales, des mélodies. On peut voir des mélodies, les considérer comme des parcours à l'intérieur de ce cercle. Je ne tiens pas à la tentation de vous présenter la première chanson basée sur les permutations. C'est une hit des années 60. C'est Telefonando de Ennio Morricone qui a écrit la musique sur le texte de Maurizio Costanzo. Je vais vous la proposer, représentée dans le cercle à droite, avec une indication des accords. Ce qui est intéressant est que Morricone joue sur des permutations de trois éléments. La mélodie, en fait, est une mélodie qui a besoin de trois notes seulement, plus une quatrième, qui fait le pont avec la mélodie suivante, avec un jeu de permutations, non seulement des notes, mais aussi des accords, comme vous verrez sur le cercle. Continuiamo. Le permutazioni si sentono, sono proprio evidenti. Riascoltiamo. Le permutazioni, on les entend bien, elles sont devenues évidentes. Fermandoci sugli accordi. On va l'écouter de nouveau en s'arrêtant sur les accords. On peut donc extraire les accords. On peut énumérer les accords. Alors,
La question que nous pouvons nous poser, en plus d'énumérer les accords, existe-t-il un espace où nous pouvons représenter ces accords et voir le mouvement des accords, de l'harmonie dans cet espace? Cet espace existe et cette structure hexagonale qui naît avec Euler. Il faut quitter le cercle pendant un instant, le cercle de Marsenne, et aller en 1773, Speculum Musicum, la réponse de l'air, un problème non plus de calcul combinatoire, mais de la théorie des graphes. On est à Königsberg. Les mathématiciens se demandaient à l'époque s'il était possible de trouver le parcours permettant de passer sur tous les points de cette ville de Königsberg une seule fois, sans jamais passer deux fois sur le même point, sur le même pont. C'est l'expérience qu'on vit à Venise, on a l'impression de passer sur le même pont pour aller d'un point A à un point B. La réponse de l'air est qu'il faut partir de la musique plutôt que de représenter le système harmonique, les notes à travers une représentation circulaire. Il faut utiliser l'espace bidimensionnel, deux axes, des quintes, l'espace horizontal et des tierces majeures, l'axe vertical descendant. Chaque note a sa place sur ce système de référence. Nous en sommes au début de la théorie des graphes. C'est une branche des mathématiques et c'est Euler lui-même qui se pose des problèmes précis. Par exemple, ici, l'échiquier, le cavalier. Alors, le cavalier peut-il parcourir toutes les cases de l'échiquier par ses mouvements sur un échiquier comme celui-ci? 8 fois 8, c'est possible. Euler démontre qu'il suffit d'ajouter une dimension, 9 fois 9, chaque échiquier avec un nombre impair, fait que le problème devient insoluble. Donc, il est impossible à ce moment-là de faire passer le cavalier par toutes les cases. Ce sont là des exemples classiques de la théorie des graphes. Au niveau musical, qu'est-ce qu'on va utiliser? On utilise cette idée de l'air de manière plus moderne. On l'appelle tonnets. Et je vais vous montrer maintenant comment cet espace hexagonal que les abeilles construisent dans leur ruche sans être conscientes qu'elles font de la mathématique est en réalité un excellent espace, non seulement pour énumérer, pour classifier les accords, mais pour voir le déroulement de l'harmonie de n'importe quel morceau musical. Et ce sera là notre objectif, donc simuler l'évolution de ces chansons de Paolo Conte. Il faut prendre des axes, des tierces majeures, c'est ça, l'axe vertical, les tierces mineures maintenant. Et si je fais une tierce majeure plus une tierce mineure, j'obtiens la quinte. Je retrouve l'axe diagonal, qui est l'axe des quintes. Eh bien, quand je fais cette opération, l'important, c'est que je me retrouve avec une triangulation du plan. Un plan qui se remplit de petits triangles où je peux placer tout genre d'accords correspondant au triangle. Je commence par 0. Je commence du 0 avec 3 et 7. J'aurai un accord mineur. Si je fais 0, 4, 7, j'aurai un accord majeur. Ce qui est intéressant est que le passage d'un accord majeur à un accord mineur est une symétrie. C'est la symétrie entre la main gauche et la main droite. La symétrie de ce triangle est celle-ci. Vous voyez qu'il bascule de l'autre côté par rapport à son axe. C'est une opération que nous pourrions dénommer R, R relatif, c'est-à-dire de tonalité majeure. Et donc, ce n'est rien d'autre que une petite description de quelque chose qu'on connaît déjà dans la théorie musicale. Passer de Do majeur au Do mineur, c'est une autre symétrie.
que nous appelons P comme parallèle, dernier cas, passer d'un accord majeur à un accord mineur, en gardant toujours deux notes en commun, un côté du triangle, et passer de Do majeur à Mi mineur. Ça s'appelle L comme leading tone, parce que L, c'est la sensible. La Si est la sensible du Do. Et c'est la terminologie que les musicologues utilisent. Et je reviendrai là-dessus dans quelques instants pour vous expliquer de manière plus pédagogique ce mécanisme, m'appuyant sur un logiciel d'application musicale. Je voulais simplement vous donner quelques idées pour montrer qu'en parcourant cet hexagone à partir d'un point, le Do majeur, on peut faire tout le tour de l'hexagone, passant à R, L, T, B, etc., pour obtenir des progressions harmoniques. J'ai fait tout le tour. Do majeur, La mineur, etc. Je le fais maintenant dans le sens inverse. La transformation est chiaro perché frutto delle note comuni. C'est une transformation intéressante. Il s'agit de notes communes entre un accord majeur et un accord mineur. Je ne fais pas de saut dans l'espace. C'est quelque chose qui évolue de manière très fluide. Notre ami Gilles Barouin, collaborateur de Toulouse, qui nous a fait l'honneur d'être ici pour assister à cette conférence avec lui, on a beaucoup travaillé pour montrer des visualisations et des chansons de Paolo Conte. Il a développé de très belles visualisations que je vais vous montrer dans quelques minutes. Mais je vais reprendre d'abord quelques images interactives. Voilà l'espace hexagonal. À droite, vous avez le cercle de Mersenne. À gauche, le Tonnetz. Les mathématiques vous permettent de passer de droite à gauche, de choisir un espace. Et du point de vue mathématique, ces deux espaces sont équivalents. Ils sont simplement représentés de manière différente. C'est le produit direct d'un sous-groupe d'ordre 4 et 3. Donc, c'est une parenthèse pour les mathématiciens. Voyons ce qui se passe. Vous voyez toutes les notes. Elles se retrouvent dans le cercle. Comme je vous disais tout à l'heure, voilà, un accord majeur devient un triangle dans le Tonnetz. Un triangle inscrit dans un cercle. Quand je fais des transpositions, vous voyez à droite ce qui se produit, le triangle fait des rotations. Les transpositions sont donc des rotations. À gauche, ce sont des translations. Donc, ce sont des translations spatiales. Les trois opérations qui nous intéressent sont le passage de Do majeur à La mineur et vous voyez l'axe de symétrie à gauche. Et l'axe de symétrie, plus difficile à voir dans le cercle, mais il est clair qu'il y a une très belle opération qui permet de passer du Do majeur au La mineur, et vous voyez la suite. Donc, chaque accord majeur est entouré des trois accords mineurs qui ont deux notes en commun avec l'accord majeur, et ainsi de suite. Chaque accord mineur sera entouré de trois accords majeurs. C'est l'espace dans lequel nous pouvons représenter la musique. Ce n'est qu'un exemple pour montrer ce qui se produit quand je prends un choral de Bach et que je le représente de cette manière-là. On met le cercle aussi. Posso guardare la traccia lasciata dal brano musicale. On peut suivre la trace laissée par le morceau musical. E come vedete la traccia è una traiettoria che ha delle proprietà matematiche, una proprietà. Vous voyez que la trace est une trajectoire qui a des propriétés matématiques. La propriété de connexité en particulier, elle est continue.
Cela nous dit que l'espace est approprié et c'est un espace naturel où il est naturel d'analyser la musique. Et venons-en à un exemple d'une chanson de Paolo Conte que nous voulons visualiser à travers cette représentation géométrique, le Tonnetz. L'exemple donné par l'une des chansons que Paolo Conte aime davantage, c'est « Sous les étoiles du jazz ». Voyons ce que cela donne si on représente la chanson dans cet espace. Questa è la cadenza, la quinta, la cadenza perfetta, è il movimento verticale. Sì, c'è la cadenza, la quinta, una cadenza perfetta, avec un mouvement vertical. E voilà l'opérateur R che nous venons de voir. Il entre deux fois dans cette progression. Così eravamo noi. Lo spazio che emerge. Pochi capivano. Voilà l'espace qui émerge. Troppe cravate. Allora la ragnatela ci dice dove siamo a livello di tonalità, è una specie di. La toile d'araignée nous dit où nous sommes au niveau de la tonalité. C'est une sorte de point de repère, surtout quand on module, Paolo Conte module beaucoup dans ses chansons. La toile nous donne le centre tonal. Una caduta di quinte verticale. Une chute de quinte verticale. Attention à l'opérateur P qui entre en jeu, P comme parallèle, Do majeur, Do mineur. Et ritorniamo alla tonalità di partenza. Le donne odiavano. Et nous revenons à la tonalité de départ. Non si capisce il motivo. Abbiamo detto le trasposizioni sono delle traslazioni. Allora spostiamo tutto. Nous avons parlé des transpositions, on a dit qu'elles sont des translations. Alors, tout se déplace et on répète le même parcours. La ragnatela si sposta perché siamo in una nuova tonalità, siamo in Si bémolle. La toile d'araignée se déplace, on est sur une nouvelle tonalité, le Si bémol. Et torniamo a casa. Et on revient à la maison. Voilà. Chiedo scusa, sfumo, purtroppo non posso passare l'intégralité de toutes les canzoni. Sono degli esempi. Je vous prie de m'excuser, je suis obligée d'arrêter, je ne peux pas vous faire entendre la totalité de toutes les chansons. Ce ne sont que des exemples qui nous montrent la richesse harmonique, la beauté de progression qui sont bien représentées par cet espace géométrique. On a vu R comme relatif, P comme parallèle. On peut se demander si l'opérateur L, ce leading tone, est présent dans la musique de Paolo Conte. À grande surprise, nous avons découvert qu'on a trouvé le L dans son dernier CD, dans Pomeriggio Zenzero, dernier CD de Paolo Conte. Et voilà qu'on commence par ce morceau. Mi minore, Do maggiore. È esattamente l'operatore L quello che manca. Mi minore, Do maggiore. C'est l'opérateur L della simmetria. Qui manquait pour compléter les trois opérateurs de base de la symétrie. Allora, quando si vede la ragnatela e la corda, diciamo, l'elastico. Lorsqu'on voit la toile d'araignée et l'élastique qui s'allonge, ça veut dire qu'on est en train de se déplacer et qu'on a fait donc une transposition, une translation. Vous voyez que l'élastique s'étire. Mais donc il y a toujours l'idée de revenir à la tonalité de départ.
en parcourant, vous voyez, PLR. L. Quindi con queste tre letterine, PLR, in fondo si cattura l'idea della simmetria, questo che volevo. Avec ces trois lettres, PLR, on capture l'idée de la symétrie. C'est l'idée que j'essayais de vous faire passer comme image. Ce sont des opérations qui font allusion à des propriétés harmoniques, des propriétés de symétrie, et que nous pouvons retrouver. Comme dans ce morceau du dernier CD de Paolo Conte, là aussi, ce n'est qu'un bref extrait, simplement pour avoir de la matière à développer pour ouvrir ensuite la discussion. Je vais vous montrer maintenant un exemple où il y a une sorte de mouvement en zigzag dans l'espace. Paolo Conte souvent parle d'un mouvement horizontal de l'harmonie. C'est quelque chose qui m'a énormément frappé en lisant un texte que je vous suggère. La musique d'abord, Prima la musica. C'est un document qui nous donne d'excellentes informations sur la pensée harmonique de Paolo Conte. Et donc voilà, un morceau comme le Regno del Tango. Le règne du tango est un exemple excellent du mouvement qui peut exister dans une sorte de zigzag allongé où le compositeur peut prendre des raccourcis. Au lieu de suivre les opérations fondamentales que je vous ai montrées, les trois symétries LPR, il est possible de prendre des raccourcis dans l'espace. C'est un morceau où je peux introduire une représentation supplémentaire, non seulement un espace bidimensionnel, mais une sorte de hypersphère en quatre dimensions. N'ayez pas peur, c'est un espace que je ne vais pas expliquer dans les détails. C'est simplement quelque chose qui montre que la musique peut être représentée non seulement en trois dimensions, mais aussi dans des espaces de dimensions supérieures. C'est une hypersphère de dimension 4 et qu'on verra par la suite. C'est très utile dès qu'on veut représenter un zigzag, par exemple, qui devient une droite, un équateur dans cet espace de dimension 4. Voilà ce qu'on verra après, le règne du tango, et avec ce mouvement horizontal de l'harmonie. Non so neanche del paese, ho una valigia di cartone, sono vestito sì in borghese. Allora, siamo usciti a sinistra e siamo rientrati a destra. Ma dentro c'è il bandoleone. On est sorti à gauche et on est rentré à droite. Ce n'est pas un espace infini. C'est un espace fini. I sentimenti miei fermo davanti ad un cinema del Novecento ed è lì quello che si allunga, gli accordi che sono lontani, ma che vous sono attirati al centro tonale. L'élastique qui s'éloigne jusqu'aux accords plus lointains, mais qui sont ensuite attirés vers le centre tonale. Et le mouvement recommence. Allora, ecco questo strano oggetto, questa ipersfera per spazio di dimensione 4 dove. E voilà cet objet bizarre, l'ipersfera di dimensione 4. Le traslazioni diventano delle rotazioni. Il paesaggio dell'amore. Alla sinistra avete la costruzione dello spazio a 4 dimensioni. A gauche vous avez la construction de l'espace. Sono persone quattro che hanno dimensioni. Sete di dadaismo, di astrazione, dai, di un erotismo sconfinato che sembra quasi una illusione, come un mistero mormorato. Potete scegliere se andare a viaggiare nella quarta dimensione o restare nel piano. Vous pouvez choisir si vous voulez aller dans la quatrième dimension, rester sur le plan. Va via pezzente, va, va,
furia dinamica, come se fosse un caprone, scalciando brutta bismetica, coi piedi sul bandoneon, vecchio leone, mordila. Nelle piccole oscillazioni attorno alla... all'accordo di do minore, alla tonalità di do minore. Voilà des petites oscillations autour de l'accord de do mineur et des zigzags, le zigzag recommence. Bene, questi sono penso esempi di movimenti voilà. Armonici, poi très bien. Ritorneremo. Voilà quelques exemples de mouvements harmoniques. On reviendra là-dessus plus tard. On pourra discuter plus en détail des points de vue sur l'harmonie. Ce qu'on a vu clairement, c'est que souvent, la musique sort à gauche et rentre à droite. En fait, ce n'est pas un espace infini, c'est un espace fermé, un peu particulier. C'est un carré où il y a deux côtés opposés qu'on peut clairement identifier. C'est un carré où on peut identifier d'abord les côtés opposés. Qu'est-ce que j'obtiens là? Un cilindro, okay. Dopodiché ho l'identificazione un cilindre. Con questo lato, quindi chiudo il cilindro. Et donc, à ce moment-là, j'ai les deux côtés, je peux en fait fermer le cilindre et j'obtiens ce dessin, la bouée, en bouée. J'ai un rectangle avec les notes, do, bémol, fa dièse, et puis les mêmes notes de l'autre côté. La bémolle do, en bas, sopra, do, mi, la bémolle do, quindi ho questa doppia identificazione. Au-dessus, do, mi, la bémolle do, j'ai cette double identification et c'est le tor. En réalité, on bouge sur le tor, on se déplace sur le tor, même si on représente tout sur le plan. L'espace géométrique naturel, en fait, c'est le tor. Et c'est bien sur le tor que nous voyons cette belle harmonie qui bouge. Nous changeons le style musical. On va vers le rock des années 70-80 avec Frank Zappa, un compositeur extrêmement intéressant pour ses parcours harmoniques. Ce Easy Meat de 81 réunit un petit jeu harmonique avec une succession qui montre bien l'intérêt de cette approche spatiale. Je vais la jouer. Comment interpréter cette progression? Nous pouvons faire une analyse harmonique traditionnelle, mais nous pouvons aussi la voir dans l'espace. Et dans ce cas, en fait, c'est le même parcours. C'est un Z qui peut être interprété comme ça ou comme ça. On peut aller au-dessus ou à droite. C'est la même configuration. Et nous avons donc tout simplement un pattern, une petite cellule transposée. Et ici, c'est écrit T-3. Moins 3, c'est la tierce mineure descendante. À chaque fois, on se déplace d'une tierce mineure descendante jusqu'à la fin. Nous répétons trois fois cette opération. On va pouvoir l'écouter. Je vais vous montrer comment. On met le dessin pour rappeler que nous travaillons là-dessus maintenant. Et je vais vous montrer comment l'espace musical se remplit. C'est l'idée que je voudrais commencer à introduire, c'est-à-dire la richesse harmonique des accords qui augmente la complexité harmonique. L'espace se remplit donc progressivement. Je vais vous montrer un morceau. Vous voyez le parcours harmonique, voyons maintenant l'espace. Les accords remplissent l'espace, petit à petit. Ecco la cellula qui vient enunciata.
semplicemente come anticipazione. Voilà la cellule. Et adesso ricomincia la progression armonica. Qui est une sorte allora, d'anticipation. Et maintenant, la progression recommence. Trasposizione. Quatre accords. Trasposizione. Transposition. Trasposizione. Transposition. Abbiamo riempito. Abbiamo cominciato transposition. A riempire. Et voilà que nous avons rempli, nous avons commencé à remplir progressivement l'espace avec une symétrie parfaite. Nous avons le même pattern qui se répète. J'aime penser que Pierre Boulez, fondateur de l'ICAM, et Frank Zappa, qui ont eu une excellente collaboration, sont en train maintenant de discuter sur la symétrie, l'importance de la symétrie dans la musique. Perfect Stranger est un exemple parfait de cette collaboration qui a eu lieu entre ce compositeur américain, Frank Zappa, et Pierre Boulez, qui a dirigé ces pièces avec l'ensemble contemporain. Il y a une analogie entre ces démarches et certaines chansons. Madeleine, parmi d'autres. Madeleine m'a fait, m'a permis d'ouvrir les yeux. Ce morceau contient quelque chose de très fin du point de vue de l'harmonie. Et là aussi, nous avons l'idée d'une cellule en rouge qui est transposée en quelque sorte. On avait T-3, tierce mineure descendante chez Frank Zappa, et T3, une tierce majeure ascendante chez Paolo Conte. Nous pouvons suivre la trajectoire. Trois fois le même module. Le quatrième module, le quatrième bloc de cinq accords permet de revenir au point de départ et donc de revenir au La bémol. Voyons l'espace aussi, comment il se remplit. Deuxième bloc. Et voilà le troisième bloc. Donc l'espace se remplit progressivement avec un quatrième bloc qui utilise les accords déjà introduits. La fonction principale est de revenir, de permettre un retour au point de départ après s'être éloigné de la tonalité de départ. Il y a donc une idée de ce que les mathématiciens définiraient comme le covering, le recouvrement des espaces des accords, c'est-à-dire remplissement, remplissage des espaces des accords. Il n'y a qu'un accord qui n'a pas été utilisé, le Fa majeur, pour des raisons musicales, bien entendu. Je vais vous proposer de voir, de revoir Madeleine. En utilisant cette représentation extraordinaire faite par Gilles Barouin, qui nous permet de voir à droite l'hypersphère et à gauche le tonnetz. La ragnatela ci dà un po' l'idea di dove siamo. Con una caduta di quinte, vedete? Siamo in La bémol. La toile d'araignée nous donne une idée de notre position avec une chute de quinte. È già qui. Ci spostiamo. La bémol ici. E non ci sono. On se déplace. Ci spostiamo ancora. Per spiegare. E on se déplace de nouveau. Prendiamo una strada diversa. È capire, Madeleine. E poi on prend un altro chemin. Usciamo a destra, ritorniamo a sinistra per scendere al punto di partenza. E qua possiamo veramente viaggiare, possiamo seguire a droite, on revient à gauche pour descendre au point de départ. Et puis on peut véritablement voyager et suivre le mouvement horizontal de l'harmonie. Il tatto delle tue mani. La canzone perduta, ritrovata come un'altra,
un'altra vita. E siamo di nuovo alla tonalità di La bemolle. È un piccolo gioiellino veramente di... Et voilà qu'on est de nouveau à la tonalité La bémolle. C'est un petit joyau de parcours harmonique. C'est ce qui nous a frappé quand on a analysé le morceau, ce morceau. Je pense qu'il pourrait être intéressant de reprendre quelques passages de ce texte qui explique l'importance des structures harmoniques dans la musique de Paolo Conte. Ça pourrait être l'occasion pour avoir votre point de vue. Je vous ai proposé quelques citations que vous pouvez lire vous-même sur ces clichés. D'abord, la musique et après les textes, ce qui donne le titre au morceau. C'est la composition musicale qui conduit le jeu dynamique et qui exerce ses droits, qui, du point de vue architectural, sont prioritaires par rapport au texte. J'emprunte les mots du maestro. La composition musicale, avec son parcours harmonique, les dessins mélodiques, les mouvances, les accords rythmiques, a une potentialité intrinsèque expressive. La musique entraîne avec elle toute une littérature avec un code expressif où les mots finissent par tomber. Les musiques ont des couleurs qui influencent le chromatisme de l'imagination à travers laquelle on travaille sur les mots. Ce sont là les dernières citations qui pourraient avoir être le point de départ de la citation. Écrire la musique après le texte m'oblige, écrit Paolo Conte, à une procédure empruntée du cinéma. Une chanson est plutôt proche du cinéma que de la poésie ou de la musique. C'est le rêve de qui voudrait bouger, une sorte de balade horizontale de l'harmonie, un déplacement horizontal de l'harmonie. Quand il parle dans le chapitre consacré à la musique jazz, l'une des limites du jazz est d'insister toujours sur le même tour harmonique. Et je pense que l'oreille a la nécessité de se déplacer par rapport à l'attention continue sur la même tonalité. Je ne sais pas si nous pouvons déjà avoir un petit point de vue, un échange sur ce que nous venons de voir jusqu'à maintenant. Après quoi, je vous montrerai dans la partie finale avec une extension de ces techniques, je vous montrerai ce qu'on peut voir en se inspirant du parcours harmonique de Madeleine pour pousser l'oreille toujours plus loin dans l'espace harmonique. Je ne sais pas si le maestro Paolo Conte veut déjà nous dire quelque chose, bien volontiers. Deux choses. Premièrement, il y a l'auteur du livre. Je vais vous la présenter tout à l'heure. Deuxièmement, je tiens à vous remercier pour l'attention que vous avez consacrée à Madeleine et à d'autres chansons. Bon, je vous dis quel est mon avis d'un point de vue de quelqu'un qui est très simple et ignorant. J'ai écrit de la musique en partant de mon instinct. J'avais déjà entendu parler des rapports entre la musique et les mathématiques et quelqu'un m'avait même montré un livre où on lisait que dans la période baroque, on appelait les mathématiciens pour créer des grilles, une sorte de cage dans lesquelles les compositeurs composaient leur musique. J'estime que le plus important, ce qu'il faut dire à ce point, est que tout cela est resté. C'est-à-dire, les grilles sont encore un patrimoine dont nous nous servons aujourd'hui encore, dans ce sens que le plus important, sans doute, pour la création musicale est la forme. Ces grilles, en fait, nous ont habitués à penser à des structures dans lesquelles
on peut composer, nous pouvons composer dans la musique jazz, dans la musique légère et dans beaucoup de compositions classiques aussi. Le musicien compose en raisonnant sur la base de périodes de 32 mesures ou de 16 mesures ou de 8 mesures. Et tout cela permet l'invention harmonique. Je parle bien entendu de ma musique, musique tonale. Donc je ne fais pas allusion à la musique modale, atonale, etc. C'est bien dans ces structures qui se créent les parcours mentaux, sentimentaux du musicien. C'est à l'intérieur de ces structures. Madeleine, par exemple. Madeleine nous oblige un peu à réfléchir à la forme. Il y a toute la partie du refrain. Bien, d'abord, cette chanson a une tonalité qui est le la bémol majeur. Il y a donc cette structure de 12 mesures, 3 périodes. J'ai travaillé sur cette structure en m'élevant d'un ton et demi. Et puis, je me suis donné 8 mesures. Pourquoi? Parce que je me suis aperçu que à la 12e mesure, donc le la bémol majeur, T est une tonalité lointaine, c'est le ré majeur, ça aurait été plus naturel. Et je me suis donc consacré à faire, avec ces 8 mesures ajoutées, des modulations pour me revenir, pour contenter un sens d'ordre que j'ai, d'équilibre, pour revenir à l'original, au la bémol. Et cela se fait, se produit pour 2 refrains. Après quoi, il y a un bridge de 16 mesures. Et encore une fois, il y a le problème qui se représente, le même problème. Et puis, dans la fin, je me suis consacré, avec une certaine élégance, je me permets de le dire, je me suis consacré à faire en sorte que, après cet éloignement de la tonalité de départ, faire en sorte qu'on puisse revenir pour avoir ce la bémol de nouveau, qui est le chrisme de la composition. Voilà ce que je peux vous dire, moi, mais très simplement, beaucoup plus simplement que ces études très belles que vous nous avez expliquées. Le parcours, c'est le parcours de l'espace dans l'esprit, le cerveau de ceux qui composent, qui peut être représenté comme un avu. Eh bien, c'est bien ça. Nous faisons une analyse globale de Madeleine. C'est le début. Et effectivement, nous avons vu, nous avons découvert ce travail fin qui a été fait sur le retour vers la tonalité de départ. Il y aura une occasion où nous présenterons les résultats de cette étude. Ce que le maestro disait, on le voit très bien, à partir du chemin suivi sur le dessin. Pour revenir au la, tu l'as dit, le la bémol majeur, on le voit très bien ce retour dans le dessin. Alberto, je ne suis pas habitué à ces graphes, à ces graphiques. Ah ben, il y avait des couleurs magnifiques, je l'ai apprécié énormément. C'est la suggestion qui m'a plu beaucoup. Je vais me faire expliquer tout ça plus tard. C'est le début. Et j'espère qu'il y aura l'occasion de continuer à discuter. Alors, prenons cette idée du fait de s'éloigner pour revenir ensuite, plus tard, à partir de ces régions éloignées, vers
le point de départ. La question qu'on peut se poser, en effet, et Alberto Conte, donc Alberto Conte a fait allusion à Hamilton, eh bien, le cavalier remplit toutes les cases de l'échiquier, il suit un chemin hamiltonien. C'est-à-dire, c'est la possibilité de parcourir toutes les cases du graphe en revenant toujours au point de départ. Il est donc possible de se demander, on est dans cet espace géométrique, est-il possible de trouver un chemin qui nous permette de passer par toutes les tonalités majeures, mineures, une seule fois, et de revenir au point de départ sans toucher deux fois le même accord. Donc, est-il possible de suivre un parcours, un cycle hamiltonien? Hamilton était-il aussi musicien? Non. Il était seulement un mathématicien. On l'utilise dans la mécanique, la physique, mais il n'était pas donc conscient de l'aspect musical de ces théories. Non. Comme un musicien d'ailleurs, qui a été l'inventeur, je crois, finalement, des cycles hamiltoniens. Guardate cosa fa Beethoven nel secondo movimento della nona sinfonia. Regardez ce que fait Beethoven dans le deuxième mouvement de la 9e symphonie, un zigzag. A destra avete l'ipersfera che mostra che un zigzag diventa un. À droite, vous avez la hypersphère qui montre que le zigzag devient un équateur, une géodésique pour les mathématiciens. Le plus petit chemin entre deux accords. Non è completo, mancano alcuni. C'est un exemple de cycle hamiltonien. Il n'est pas complet. Il manque quelques passages. Pour des raisons musicales, Beethoven n'était pas intéressé à clore le cycle, mais il est allé bien loin dans ce parcours harmonique où il alterne des tonalités majeures et mineures avec un zigzag qui n'est rien d'autre que l'opérateur L. L, R, L, R, L, etc., etc. On peut se demander, donc c'est là le point de départ, les cycles hamiltoniens comme Bach pourra vous le montrer, il a découvert le ruban de Möbius. Beethoven a inventé le cycle hamiltonien dans l'espace qui permet de toucher tous les points, tous les accords majeurs, mineurs et revenir éventuellement au point de départ. Je trouve que c'est une idée qui, d'un côté, étant l'idée de Madeleine de s'éloigner des tonalités et qui ouvre des nouvelles perspectives pour ceux qui veulent travailler dans la chanson, qui cherchent des structures harmoniques et des parcours qui enrichissent la composition. Eh bien, il existe une classification complète des 124 cycles hamiltoniens que vous voyez sur ce cliché. Je rends honneur aux deux chercheurs, Albini et Antonini, de l'Université de Pavie, qui ont énuméré les 124 possibilités d'étendre l'idée du zigzag. Sur ce parcours harmonique, par exemple, il peut y avoir aussi des parcours très compliqués qui n'ont pas de symétrie interne. Et pourtant, le résultat musical est un résultat, je pense, naturel. C'est une progression harmonique et est un cycle hamiltonien. Un bref passage d'une chanson sur un texte de Gabriele D'Annunzio qui était la première expérience hamiltonienne, une chanson décadente. C'est l'un des cycles qui nous donne une idée de la progression harmonique. Je vais vous faire entendre la saveur, le goût de cette progression. Thank you.
ritornato a si bémolle maggiore. Ho fatto tutto il giro in maniera un po' strana, in maniera. Et voilà que je suis revenu au si bémolle majeur. J'ai fait tout le tour. L'oreille peut-être n'est pas habituée à ce type de tour. L'oreille a besoin d'anticiper. Mais c'est une démarche qui étend l'idée de Madeleine d'aller chercher dans les espaces harmoniques lointains. Il y a une manière plus simple de le faire, c'est-à-dire chercher des parcours qui ont des symétries internes, des patterns qui se répètent. L'oreille, donc, à ce moment-là, peut anticiper le résultat. Les organisateurs, quand j'ai demandé de montrer une chanson, une composition, j'étais timide. Ils m'ont dit, fais-le. Et tu auras peut-être un point de vue de maestro par rapport à cette idée de cycle hamiltonien, de parcours harmonique, qui sont des simples progressions, mais qui permettent de toucher tous les accords majeurs, mineurs, une seule fois, de revenir au point de départ. Dans cette deuxième expérience, j'ai pris un texte de Mario Luzi, tiré de Poésie Espace. Il y a des couleurs, le bleu, le rouge, le vert, et ces trois couleurs sont les trois symétries, PLR. La difficulté a été de créer, c'est la perspective opposée par rapport à la musique d'abord. Ici, il y a le texte d'abord, et non seulement le texte, il y a aussi une grille très rigide pour cette progression harmonique. L'exercice a été de créer une mélodie qui respecte le texte, une mélodie donnée par cette machine combinatoire que sont les cycles hamiltoniens. Je vais donc vous proposer de visualiser, d'écouter, de voir ensemble cette composition qui utilise cette idée de cycle hamiltonien. Le cycle hamiltonien ne peut pas être utilisé du début à la fin. L'oreille pourrait devenir fou. Il y a une partie initiale qui pourrait être une progression harmonique de n'importe quelle chanson. Et à un moment donné, vous verrez, à partir du La bémol majeur, la tonalité de Madeleine, je fais un tour par toutes les tonalités pour revenir ensuite au point de départ, avec notre toile d'araignée qui va nous guider dans l'écoute de cette musique. Sera non è più la tua canzone, è questa roccia d'ombra traforata, dai lumi e dalle voci senza fine, la quiete d'una cosa già pensata. Ah, questa luce viva e chiara viene solo da te, sei tu così vicina al vero d'una cosa conosciuta, per nome una parola che è passata, nell'intimo del cuore si è perduta.
come un'arida montagna, dove vaga il tuo spirito e si perde. Un vento raro scivola e ristagna, l'aria tace e il tempo dietro a te si leva come un'arida montagna, dove vaga il tuo spirito e si perde. On est arrivé à la conclusion et je voudrais encore une fois lancer quelques sujets pour des idées éventuelles pour une discussion concernant l'usage des contraintes, des règles, non seulement dans la musique, mais dans toute la création artistique. Ce que je vous ai montré sont des expériences, des expérimentations qui concernent mes activités au point de vue musical. Ce sont des expériences qui montrent comment on peut réactiver une idée que les écrivains des années 60-70 aimaient beaucoup autour du mouvement français Oulipo, ou voir de littérature potentielle dont Italo Calvino faisait partie, un mouvement de littérature potentielle auquel appartenaient Georges Perec, Queneu, parmi d'autres. Comment écrire donc un roman, La disparition, sans utiliser la voyelle la plus connue, la lettre E en français? Ou encore, comment écrire 100 000 milliards de poèmes qui restent dans un petit livre en découpant, comme vous voyez, les pages, de façon à ce que, à chaque fois qu'on soulève un morceau, il y a un extrait du poème. Le nombre des poèmes est tellement important qu'il y a des poèmes qui n'ont pas encore été lus et qui se retrouvent quelque part dans le livre. L'idée est de mettre des règles, des contraintes à accepter. C'est le jeu de la combinatoire. Ce que je viens de vous montrer, c'est quelque chose qui fait allusion à une idée qui va au-delà même du simple jeu. Et c'est quelque chose que j'aimerais vous faire passer comme message, le fait que le style, c'est difficile à qualifier le style dans la musique. Qu'est-ce que c'est un style musical? C'est toute l'interprétation du compositeur quand il interprète sa musique, mais c'est une question d'espace aussi, c'est-à-dire où la musique se déplace. On est parti d'un choral de Bach qu'on a vu dans l'espace, dans les tonnettes, avec les trajectoires liées entre elles. Et nous pouvons écouter aussi un autre morceau. Chorale à gauche, allemand, germanique, comme il faut, austère. Que se passe-t-il maintenant si je prends la trajectoire et que je change les coordonnées de l'espace? C'est comme ces deux poissons qui semblent différents. C'est la même matrice. J'ai simplement changé l'espace dans lequel j'ai introduit la forme. Un choral de Bach à gauche. Quand on change les espaces, quand on change l'espace, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire changer les espaces intercalaires.
Donc, il n'y a plus d'accord majeur, mineur. Il y a des structures qu'on peut maîtriser, contrôler et qu'on peut utiliser, par exemple, pour mettre en évidence la transposition stylistique faite par le passage à gauche du choral de Bach au même choral, avec la même trajectoire, simplement en changeant l'espace. Vous entendez le timbre pentatonique de la gamme, on dirait de la musique chinoise. Et ce n'est pas un cas. Nous avons utilisé à droite l'espace naturel pour cette gamme musicale. Nous avons pentatonisé le choral de Bach. Je termine avec une expérience annoncée sur Hey Jude, une chanson des Beatles que je soumets à une opération assez bizarre. Donc les Beatles, la tête en bas, je prends donc un morceau musical, Hey Jude, et je fais une rotation de sa trajectoire dans l'espace. Je ne change pas l'espace, mais la trajectoire harmonique subit une rotation. Qu'est-ce que ça veut dire faire une rotation? Vous le voyez en haut, ça veut dire passer d'un accord de Fa majeur à un accord de Do mineur. Chaque fois donc que dans Hey Jude, qui commence en Fa majeur, chaque fois que j'aurai cet accord en Fa majeur, le logiciel qu'on utilise, ce logiciel a été réalisé par Louis Bigot, un étudiant qui a fait un doctorat sous ma direction et qui a développé dans sa thèse ce logiciel libre. Vous pouvez l'utiliser pour vous amuser à faire des expériences. Il est tout à fait libre et on serait content d'avoir votre opinion. Que se passe-t-il quand on fait une rotation? Un accord de Fa majeur devient Do mineur. Et systématiquement, chaque accord majeur se transforme en accord mineur et réciproquement. On crée une sorte de négatif de Hey Jude. Je vais vous le montrer. Et on va voir quel est le résultat. Con una traccia per vedere dove va il brano. Avec une trace qui nous permet de voir où se déplace le morceau. Etc., etc. Grazie. Merci beaucoup. Donc, je termine avec un petit hommage à Paolo Conte, un inventeur de la musique pour piano moderne. Erwin Heinz a été
un point important de référence pour Conte. J'ai essayé de reproduire cette expérience dans Rosetta, une composition, et je vous verrai ce qu'est le résultat pour vous montrer. Donc, Jude n'a que des accords mineurs majeurs, mais dans une composition plus riche, comme ce morceau que je vais vous écouter, et je vais vous faire écouter, vous verrez ce que cela peut donner. C'est un morceau qui bouge beaucoup. Il faut suivre la trace qui disparaît. Alors, faisons la même chose, une rotation, et voyons le résultat. Bien. Le maestro Paolo Conte veut faire peut-être un commentaire ou un passage au piano avec Madeleine. Non, non, surtout pas. Il y a le brouillard, je dois partir vite. Mais de toute façon, c'est très intéressant. Le morceau des Beatles... Disons, il n'est pas bon, il a perdu. Celui-ci, par contre, il est bien ressorti. La richesse harmonique, quand on est sur des accords majeurs, mineurs, c'était Mahler, n'est-ce pas, qui avait déjà fait une chanson, Fermatino Campanaro, en changeant tous les accords. C'est une opération que tous les joueurs de piano essayent de faire dès que... ils se mettent à une composition, ils essayent de la transformer en mineur. Chibi Gonzalez, il le fait systématiquement. Il montre que tous les hymnes nationaux transformés en mineur sont bien plus intéressants que la version originale. Ma conclusion est que les mathématiciens sont très dangereux pour les musiciens. Voilà, Missing Game, dernier CD de Paolo Conte. Merci d'avoir été ici. Merci à Moreno Andreatta.